toutes choses sont possibles par la main puissante du Saint-Esprit. A new wind is blowing right now. Yeah. Brisant mon cœur de pierre en me donnant une nouvelle nature. And my walls are all crushing down. Et maintenant, tu es capable. And my God, come through again. Tu peux faire toutes choses. Oh yeah. You can do all things but fail. Tu ne perds jamais de bataille. No, you never lost a battle. Je sais, I know, you never win. Tu peux faire toutes choses. Oh yeah. You can do all things but fail. Tu ne perds jamais de bataille. No, you never lost a battle. Et je sais, I know, you never win. You never lost the battle. 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 Tu perds jamais de bataille. Tu perds jamais de bataille. You never win. You never win. No, you never lost the battle. You never lost the battle. Tu ne perds jamais de bataille. You never lost the battle. You never win. You never win. Tu peux faire tout. Oh, you can do all things but fail. Tu ne perds jamais de bataille. No, you never lost the battle. Et je sais, I know, you never win. Tu peux tout chose. Tu peux faire tout. Oh, tu ne perds jamais de bataille. No, you never lost a battle. Je sais, I know, you never win. Je sais, I know, you never win. Je sais, I know, you never win. Thank you.
Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa cette nuit dans la prière. Puis quand vint le jour, il appela ses disciples, Pierre, André, Jacques, Philippe, Jean, Thomas, Matthieu, Jacques, Simon, Barthélemy, Jude et Judas. L'un d'entre vous sera un traître. One of you will repent my love with hatred. L'un d'entre vous remboursera le bien par le mal. L'un d'entre vous sera un ingrat. Don't let it be you. Plusieurs disciples, après le discours de Jésus, se sont dit entre eux-mêmes que ces paroles sont dures à comprendre. Ils murmurèrent contre ces paroles, se retirèrent de Jésus et n'allèrent plus avec lui. Vous aurez des traîtres et même des hommes infidèles qui vous laisseront en chemin afin de briser vos cœurs. L'un d'entre vous sera un traître. One of you will repent my love with hatred. L'un d'entre vous remboursera le bien par le mal. L'un d'entre vous sera un ingrat. Don't let it be you. Ne marche plus avec des gens menteurs, traîtres et voleurs, accusateurs, blasphémateurs. Ils ralentiront la croissance de ton église. Ils te combattront, mais ne te vaincront jamais. Certains diront qu'ils t'aimaient au fond de mes. Ils feront semblant, car ils te livreront un jour. L'un d'entre vous sera un traître. One of you will repent my love with hatred. L'un d'entre vous remboursera le bien par le mal. L'un d'entre vous sera un ingrat. Don't let it.
tous. Rebo zekaba saka sante rebos. Mante sekabara shokorobo sukatara baba santarabos. Vedeba zakante rebo zekata santara kishaka libo sokotobo. Mandara kasatarabo seketara baba shakareba santara. Ta grâce nous couvre. Ta grâce nous remplit. Amen. Ta grâce nous dirige. Amen. C'est ta grâce qui nous donne le Saint-Esprit. Yes. Ta grâce nous parle. Ta grâce nous fortifie. Amen. Ta grâce nous a sauvés. Amen. La kase korobo shibara katarabasa. Lebeze mandara kase karabo shabara bandara katarababa. Kura baba sakatari baba zetara baza katarabu shabara bara bara. Kura baza kaparaba shatarabu sakari baba rakata santerebo sokoto. Fari baba riga zenterebo sukataraba shakaba riba baba baba zatarabase. Menderebo koto rokoto shakaba riba baba zataraba ntere kasatarabu sh. La kasaka paredos ou ta mandara kashabare baba zeterebos. Ton vent souffle maintenant. Amen. Ton vent souffle. Yes. Nous ne savons d'où il vient, nous d'où il va. Mais nous savons et nous voyons ton vent souffler maintenant. Rakaba shabara baba 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 baba. Tu souffles sur l'histoire de la terre, l'histoire des hommes. Mandaga rekoto shabara baba 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 rakatasa. Lebozo kaparabade de kataraba shabare baban toroko se kataraba. Manta kasakari baba ze katorobo sokotore baba ba shabaraba rakataraba se. Loka para kandere bazo kataraba shabara ganda rosa kataraba shedere boz. Rabara kantaraba se katoroko shabara gandere bazinketere baba barakataraba daradandororo sokota. Lebo zuka paraba shabarabara katarabosa kamparare de sekenterebosa. Fare kakatara kato shakabari bazekto rabasa kanterebobosa. Labaze kotorobo shabarababara kantarababa sotarababa. Tu relèves ceux qui sont tombés, rakapata rakata shabarabababa. Tu fortifies ceux qui sont faibles, nangazu kabare babaze terebobo. Tu ramènes ceux qui se sont égarés, rakata shabarabababa sokarabababa. Tu consoles ceux qui sont abattus et blessés, rebarakato shabarakata rabashe katara dandoroso. Ribabaze kabarababa shakabare bobo zokoto kashabaraba tarakantereres. Ebarakato sokabarababa shabarade sakato ribabanterebas. La koko sakaparebo sakantirebe shekatarababa shabarabara katarabant. La kosa kapate kato sukabare desenterebo shakabarababa. Merci Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour la vie. Merci pour la foi. Merci pour la passion. Merci pour le zèle. Merci pour la détermination. Merci pour l'orientation, la révélation. Merci pour la doctrine. Merci pour les dons spirituels. Merci pour la longévité. Merci pour le baptême de la foi. Merci pour les miracles. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le paradis, merci pour l'église. Merci de nous maintenir au-delà de toutes les formes d'attaque, de nous fortifier, de nous garder debout jusqu'à ton arrivée Jésus. Rabba shakaba rababa zekata rabba sakata. Lakaba sakaba robos. Merci pour la loyauté, merci pour l'honneur.
Leko shabarebo sokoto shabarabababa. Merci pour la repentance, merci pour la fidélité. Lekata sokapata rebocho. Merci pour la crainte de Dieu, merci pour l'amour et la passion de son œuvre. Leko sokoto shabareba zakataraba terebos. Faraba sakataraba shikabarebo sekataraba santarabos. Merci pour ta parole, merci pour ta lumière. Merci pour le salut des hommes, merci pour la compassion de ton cœur. Rakato shakabaredeze. Ah Seigneur, Rabazakata, ah Seigneur, la kabasekoto, ah Seigneur, le kashobaraba, ah Seigneur, wamparero sokoto shabara, ah Seigneur, la katerebe seketoroche, ah Seigneur. La candéribande, ah Seigneur, la katoche, ta faveur seule nous oriente, elle nous parle. Les kotos, sokoto, chéberebos, ta faveur, Seigneur, visite les cœurs les plus refroidis. Les kotos, sokapacha, ta chaleur amène, ta faveur amène la chaleur, le zèle, la vie. Manderebos, manderebos. Manderebos, manderebos, manderebos. Ah Seigneur, Rabakataraba. Nous intercédons pour ce monde malade, ce monde de pandémie, ce monde en crise. Nekoto Shabara. Nous supplions la grâce de Dieu pour l'église, Lokoto Roboche, qui est la lumière de ce monde, la Kabaredere, le sel de la terre. Lekosha, nous réclamons plus de puissance. Namba Leko, Likete Sekoto Sheka. Ah Seigneur, nous réclamons plus de puissance. Nous réclamons un grand réveil. Deko Shemerebara Katarabase. Le retour des pasteurs à la prière, rakapa. Le retour des pasteurs à l'intégrité, rakata. Le retour des pasteurs à la foi, rabasheka. Nekata kosakapa lakate shekabado. O sakataraba shataraba sekataraba. Nangazo kataraba shabaraba lakataraba saterebos. Ouh! Seigneur. 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 Seigneur, Seigneur, alléluia, amen. Gloire à Dieu, magnifique, alléluia, amen. Bonsoir à tout le monde, à l'endroit où vous vous trouvez, yes. Pour ceux qui, pour la première fois, rentrent au contact de notre partage, et qui est pour ce jour, une communication toute particulière. Je suis l'apôtre évangéliste guérisseur Georges-Olivier Mbazaboua. Je crois fortement à la guérison des peuples par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit et la parole de Dieu ont pour œuvre principale de guérir les nations, guérir les pauvres, guérir du péché, guérir de toute forme d'attaque démoniaque. Labase koto shabaraba sakataba seterebos. Mantelo sokoto shibaraba. Et donc, je crois que la force de Dieu opère, la force de Dieu travaille. Et j'ai voulu avoir ce temps de partage. Vous avez bien compris qu'il y a quelques semaines, près d'un mois, nous yes. avons annoncé la suspension de nos rencontres yes. sur
les réseaux sociaux, parce que avant la conférence que nous venons d'avoir, nous avons bien constaté que les réseaux sociaux étaient utilisés pour voir des films sur YouTube. Les gens utilisaient les réseaux sociaux, même les chrétiens, les pasteurs, les missionnaires utilisaient les réseaux sociaux pour voir des choses de la chair, du monde, des insanités même, pour avoir des communications politiques, publiques. Et ils ne s'intéressaient pas à une connexion d'onction pour la prière, pour le jeûne et pour le partage de la parole de Dieu. Suite à cela, nous avons donc suspendu, n'est-ce pas, nos interventions parce que nous ne trouvions plus l'utilité de déverser la connaissance, déverser l'onction et la grâce sur les réseaux sociaux. Il semble que pour certaines personnes, elles sont appelées à avoir des chrétiens connectés et qui peuvent partager sur les réseaux sociaux, mais en ce qui concerne notre mission, du moins pour cette année 2021, nous avons constaté que cela était inutile. Et donc, cette communication, ce partage d'aujourd'hui, n'est-ce pas, est un partage particulier, yes, totalement particulier, yes, mais particulier parce que nous sommes à un moment historiquement particulier. Nous sommes en train de voir les dernières heures, yes, n'est-ce pas, de l'année 2021, yes, en train de mourir. Ces dernières heures sont en train de passer. Nous sommes en train de nous apprêter par la faveur de Dieu, par la grâce de Dieu. Nous nous apprêtons à rentrer, comme beaucoup disent, à traverser, n'est-ce pas, à quitter d'une année qui n'a pas été facile, yes, une année qui a été très difficile, yes, puisque, comme vous le savez, nous sommes là à peu près depuis 2019. On parle à peu près de 2 ans, n'est-ce pas, et 1 mois et 8 jours de la, yes, pandémie. Donc nous sommes rentrés dans une pandémie effroyable, une pandémie mortelle, une pandémie meurtrière, où le monde entier a bougé, continue à bouger, yes, puisque maintenant il y a l'apparition, n'est-ce pas, de plusieurs variants. Yes. Et au-delà de cette grande pandémie qui frappe les nations et les peuples, même si cela ne devrait pas étonner l'Église, par le livre d'Apocalypse et les, yes, livres de Daniel, nous avons été avertis, n'est-ce pas, que le monde dans lequel nous vivons, la terre sur laquelle nous marchons, va être visitée par des fléaux. Je confirme. Des fléaux sans précédent, des, yes, fléaux effroyables. Yes. Et nous avons là affaire à un de ces petits fléaux, n'est-ce, yes, pas, appelé dans le monde des humains, n'est-ce pas, le coronavirus, wow, n'est-ce pas, 2019. Yes. Et donc, cette pandémie n'est pas le seul grand malheur qui, à l'heure où je vous parle, frappe les nations. Il y a un autre malheur, n'est-ce pas, qui accompagne cette pandémie, c'est la soif, n'est-ce pas, d'exploiter les populations à travers la pandémie. Yes. Plusieurs personnes, des corps médicaux, yes, des médecins, des infirmiers même, yes, des gouvernants, yes, n'est-ce pas, des gouvernants, des hommes politiques, des décideurs des nations, yes, ont décidé de profiter, n'est-ce pas, de la pandémie pour anarcher les populations, pour inventer des situations, pour spolier des familles pauvres et abandonnées. Nous qui sommes dans le cas de figure, nous qui sommes en Afrique, nous pouvons voir combien de fois la pandémie, n'est-ce pas, donne une opportunité sale, une opportunité meurtrière, n'est-ce pas, à ces personnes vicieuses, ces personnes assoiffées d'argent, l'occasion, n'est-ce pas, de manipuler et même n'est-ce pas, d'annuler, de contrecarrer, yes, de priver les populations, yes, de leurs droits,
n'est-ce pas, individuel. Wow. Et donc, il n'y a pas qu'une pandémie, il y a toute une guerre. Il y a, yes, il y a une guerre contre l'escroquerie. Yes. Il y a une guerre contre la manipulation à une haute échelle. Yes. Voilà, il y a plusieurs choses qui se passent en ce moment. Le monde est complètement à la renverse. Je suis en train de vous présenter le décor dans lequel nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Yes. Et ce ne sera certainement pas la fin d'une année heureuse, puisque depuis 2019, nous sommes allés de confinement à beaucoup d'autres choses, et maintenant nous assistons à une forme de manipulation totale dans le monde entier, et dans le cas de l'espèce dans nos pays africains où la vaccination est en train d'être imposée d'une manière insidieuse. Des personnes mal intentionnées sont en train de faire courir partout un double langage, sans croire, en se disant que les populations ne sont pas éduquées, n'ont pas appris, n'ont pas été informées, ne sont pas informées par la situation de la pandémie. Et donc nous avons plusieurs personnes qui sont même en train de se faire vacciner contre leur volonté. Nous avons beaucoup de situations compliquées. Nous avons aussi l'arrivée, comme je l'écoutais, dans les pays occidentaux, parce que ce n'est pas que le cas des pays africains, où maintenant des attestations de vaccination sont de plus en plus falsifiées parce que les peuples, les nations sont en train d'essayer de fuir, yes, n'est-ce pas, d'éviter, du moins de contourner la pratique de la vaccination obligatoire. Alors, mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers missionnaires, chers enfants de Dieu dans le monde, vous qui avez l'occasion de me suivre, je suis conscient que il n'y a pas plusieurs personnes qui me suivent, mais au moins, vous qui avez l'occasion de me suivre, je voudrais solliciter votre attention jusqu'à la fin de mon propos. Yes. Je voudrais aborder un sujet très important, comme je le disais, alors que nous sommes à la fin de l'année, alors que nous nous apprêtons par la grâce de Dieu à rentrer dans une nouvelle année qui s'annonce déjà une année particulière, qui s'annonce une année qui ne sera peut-être pas facile, parce que cette année, il devra avoir beaucoup de machinations. Plusieurs personnes voudront maintenir leur pratique de manipulation, et donc l'année 2022, qui est une année particulière parce que dans le cas de certaines nations africaines, il va y avoir le renouvellement, n'est-ce pas, du corps dirigeant, c'est-à-dire les élections présidentielles dans certains pays, et donc qui vont s'annoncer par les meetings et beaucoup d'autres choses, puisque dans un an, voilà, c'est-à-dire en 2023, pour le cas du Gabon, nous allons avoir une élection présidentielle. Donc 2022 va être l'année de meetings, l'année de beaucoup de choses. Et dans beaucoup d'autres pays africains, c'est la même situation. Je voudrais donc, dans ce contexte de pandémie, ce contexte grave d'escroquerie, yes, n'est-ce pas, mondiale, yes, ce contexte de mort, yes, voilà, de perte des personnes chères, yes, ce contexte de nouvel an, je voudrais situer notre mission. Je voudrais situer nos églises en tant que président de la mission VLR internationale. Je voudrais situer nos églises, situer nos missionnaires, situer nos pasteurs. Yes. Et donc, si vous êtes connectés et que vous êtes en même temps distrait, je vais vous supplier par les compassions de Dieu, n'est-ce pas, à prêter attention à la communication, aux informations que nous allons communiquer par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu. Magnifique. La faveur du Seigneur est sur vous en abusive ce moment. Le Saint-Esprit vous donne une capacité de rétention abusive rare. Il vous permet de percevoir et d'entendre la voix dans ce qui est dit et dans ce qui sera dit. Abusive. Afin que vous puissiez recevoir la sagesse et l'intelligence pour opérer librement dans la suite des temps. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Magnifique. Alors, je voudrais commencer pleinement mon dire en vous situant par rapport aux arrêtés, yes, n'est-ce pas, de la consultation que nous avons eue. Nous, yes, sortons d'une grande consultation, oui, mêlée avec une conférence, n'est-ce pas? Et je voudrais souligner quelques arrêtés importants. Je voudrais déjà vous informer que
il va avoir une fiche d'arrêté. Donc l'ensemble de ce que nous avons tenu de communiquer et même que nous avons tenu d'imposer à toutes nos églises, n'est-ce pas? L'ensemble de ces arrêtés va être communiqué dans tous les groupes de notre mission internationale. Donc le DETMIN et le FAUVE, yes, ces deux grands comités vont bientôt, dans quelques temps, faire sortir tout ce qui concerne les arrêtés des consultations, n'est-ce pas, que nous avons eues. Nous entendons par arrêter les grandes décisions et les résolutions de notre mission internationale. Magnifique. Donc, vous aurez cela dans vos téléphones portables. Oui. Voilà, vous aurez cela et vous pourrez tirer cela afin de savoir comment notre mission va opérer, comment elle va agir, n'est-ce pas, pour la suite des temps. Pour ma part, je voudrais souligner, n'est-ce pas, quelques décisions, quelques arrêtés qui sont pour moi des arrêtés phares et importants, voilà, de notre mission. Je voudrais d'abord dire que la date du 3 janvier 2022, lundi 3 janvier 2022, va être une date solennelle et internationale pour notre mission. Je répète, le lundi 3 janvier 2022. À cette date, la majorité, sinon la totalité de nos arrêtés vont être en vigueur. Yes. Tout ce que nous avons décidé dans nos consultations, n'est-ce pas, précédentes, vont être exigés, vont être pratiqués, vont être l'objet d'une obéissance quasi totale, yes, de chacun d'entre nous et de la mission internationale VLR entière. Wow. Le lundi 3 janvier 2022, alors je vais citer maintenant quelques arrêtés qui vont rentrer en vigueur, y compris la fiche qui va arriver. Alors, nous aurons donc le lundi 3 janvier 2022, nous commençons, n'est-ce pas, avec tous les groupes, à savoir toutes les églises, toutes les familles de croissance, tous les comités, tous les niveaux de responsabilité, tous les mouvements de notre mission, nous commençons la pratique de la révélation du 365 First Love Industry. Magnifique. Le 3 janvier, d'une manière internationale. Yes. Le 3 janvier, que vous soyez en Tunisie, que vous soyez au Maroc, que vous soyez à Mwanda, pour parler du Gabon, que vous soyez à Chibanga, que vous soyez à Québec, que vous soyez en Australie, que vous soyez aux États-Unis, en Ukraine, peu importe le pays, la zone, la province, que vous soyez dans un quartier sous-intégré ou pas, dès que vous appartenez à la mission VLR internationale, la, yes, grâce de Dieu est tombée sur vous, amen, vous avez été sauvés et Dieu lui-même a choisi que vous apparteniez à cette famille monstrueuse, terrible, qui est en train de prendre de l'ampleur, une famille qui prend de la taille, une famille qui va bientôt faire peur au monde, yes, nous vous informons que le 3 janvier 2022 est la date d'application du 365 First Love Industry. Il s'agit d'un verset de la Bible d'une puissance extraordinaire. Lorsque ce verset est pratiqué et que nous avons reçu la grâce par le Saint-Esprit de saisir, de comprendre, comme une lumière vivante qui est rentrée dans notre cœur. Mesdames et messieurs, Dieu opère par ce qu'il appelle des secrets divins. Yes. Le Seigneur révèle les choses cachées aux hommes. Yes. Et je peux vous rassurer que notre ministère est béni d'avoir reçu cette puissante lumière rare qui nous invite à prêcher l'évangile et à gagner chaque jour que Dieu fait. Yes. Oh, alléluia! Magnifique. Chaque jour que Dieu fait une âme pour l'introduire royalement dans l'église. Ce verset de Actes chapitre 2 verset 47 est si grave, yes, si puissant, si poignant, yes, que nous avons décidé officiellement d'une manière
international, de l'appliquer partout où nous nous trouvons dans le monde à partir du 3 janvier 2022. Que Dieu vous bénisse parce que vous l'avez reçu au nom de Jésus. Magnifique. C'est une lumière exceptionnelle. Voilà, révélation. Une lumière exceptionnelle. Je voudrais souligner que le 365 First Love Industry, n'est-ce pas, nous amène pas à pas vers l'application mondiale du 7 jours sur 7. Mesdames et messieurs, nous sommes invités à prêcher Jésus en tant qu'individu, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu. L'annonce de l'évangile est une preuve de notre conversion, mais aussi une preuve de notre passion, n'est-ce pas, pour Jésus et pour son Père. Alors c'est pourquoi le 365 des groupes n'annule pas l'évangélisation individuelle. Les pasteurs, les bergers de familles de croissance, les leaders de notre mission internationale doivent veiller à ce que chaque chrétien, chaque jour, n'est-ce pas, annonce l'évangile de Jésus-Christ à ce monde qui totalement plonge et baigne dans la perdition. Yes. Alors, c'est le premier élément attaché à cette date du 3 janvier 2022. Il y a un autre élément très important, n'est-ce pas? Je suis en train de parler de la date du 3 janvier 2022. Je m'adresse à tous les premiers responsables, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Nous avons le baptême tout les mois. Yes. Tous les mois, nous baptisons la moitié de notre communauté, la moitié de notre branche. Si vous êtes une branche, vous êtes une église, peu importe où vous êtes dans le monde, nous avons exigé par la puissance de Dieu, nous avons résolu ensemble que nous avons décidé de baptiser chaque mois, n'est-ce pas, la moitié des effectifs de notre église. Alors, je voudrais interpeller tout le monde pour dire que le 3 janvier, alors je le dis pourquoi, mais parce que, voyez-vous, au niveau des autres pays et des provinces, nous savons que cela n'est pas encore une pratique. Parce que au niveau du siège, nous l'avons déjà pratiqué, nous pratiquons cela chaque mois et maintenant nous rendons cette exigence, nous rendons cet ordre mondial. Yes. Chaque mois, nous baptisons la moitié des effectifs de notre église, de notre branche. Si vous êtes une église de 100 personnes, quelque part, dans un village, dans le monde, dans un quartier, vous devez baptiser 50 personnes minimum. Minimum 50 personnes, mesdames et messieurs, par mois. La Bible dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Yes. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême est lié à la foi. Le baptême est lié à l'annonce de l'évangile. Le baptême ne doit donc pas être une pratique rare et exceptionnelle qui arrive une fois l'année. Le baptême est lié à la foi. Le baptême est lié à la conversion. À chaque fois qu'il y a conversion, il doit avoir baptême. C'est la raison pour laquelle nous avons situé désormais le baptême tous les mois, parce qu'il y a des conversions par la grâce de Dieu, quand? Tous les jours. Every day. Et puisque dans Vers-l'air, désormais, la conversion intervient tous les jours, alors il y a baptême tous les mois. C'est comme ça. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. J'espère que vous êtes en train de dire amen à l'endroit où vous trouvez. Alléluia. Et donc nous allons avec notre administration, forte d'ailleurs, forte, puisque nous venons d'introduire un nouveau comité, le FAUVE, nous allons veiller à ce que toutes les régions, tous les pays, toutes les zones, n'est-ce pas, baptisent après des conversions par jour, baptisent tous les mois. Il y a un autre élément que nous voulons introduire. Je disais que le reste des arrêtés va arriver dans un document numérique qui sera partagé à tous les pasteurs, tous les missionnaires, partout dans le monde. Et je voulais juste souligner ces éléments que j'estime être des éléments phares. Nous avons, comme vous le savez, survécu au début de la pandémie. Alors que la pandémie est encore là, nous avons survécu grâce à la révélation des familles de croissance. Amen. Que le Seigneur nous a communiqué au moins 3 ans avant l'arrivée de la pandémie. Yes. Nous bénissons Dieu qui nous aime et qui se révèle à nous. Amen. Nous constatons bien que depuis que le confinement total
n'est-ce pas, dans plusieurs endroits. C'est arrêté d'une certaine manière. Les familles de croissance, n'est-ce pas, les petits groupes puissants, n'est-ce pas, ont diminué dans leur, non seulement leurs effectifs, leurs actions. Plusieurs premiers responsables, plusieurs bureaux d'église, de zone, de centre, et n'ont plus la préoccupation, n'est-ce pas, de la surveillance des familles de croissance, de la multiplication des familles de croissance, n'est-ce pas, du bon fonctionnement des familles de croissance, parce que les pasteurs sont retournés à la chair. Les leaders sont retournés à la prédication officielle du culte dominical. Alors, les familles de croissance, ce système de réseau si puissant, ce système de réseau qui nous permet de prier, de vivre la foi, de recevoir la puissance, d'entendre des témoignages, de convertir des gens, peu importe l'endroit, la circonstance, le lieu, ce puissant système est en train d'être envoyé aux oubliettes. Des démons, des forces négatives sont en train de pousser nos églises à oublier ce réseau de groupes, yes, ce réseau de familles qui est, yes, si fort, si grave, si important. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers responsables, c'est pourquoi à partir du 3 janvier, nous instaurons, n'est-ce pas, la restauration officielle des familles de croissance dans le monde. Magnifique. Alors, cette restauration va passer par, n'est-ce pas, une décision particulière. Nous avons décidé, n'est-ce pas, que tous les troisièmes, le troisième week-end de chaque mois, dans le cadre du mois de janvier, le troisième week-end commence, n'est-ce pas, avec le 15 et le 16. Le 16, c'est le dimanche, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, le dimanche 16 janvier est le troisième dimanche du mois de janvier. J'espère que je ne me trompe pas. Je crois que c'est cela. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi là? Yes. Le 3 janvier. Voilà, c'est le troisième, yeah, dimanche. Le troisième dimanche, le 16 janvier est le troisième dimanche du mois de janvier. Yeah, yeah. Mesdames et messieurs, nous avons arrêté que tous les mois, yes, le troisième dimanche, il n'y aura plus culte dans nos lieux de culte. Tous les mois, nous consacrons le troisième dimanche à la restauration particulière des familles de croissance. Amen. Sur le plan mondial. Magnifique. Nous disons le troisième dimanche. Je ne sais pas si mon visage est sincère pendant que je parle. J'ai envie que les gens voient que mon visage est très sincère. Nous sommes en train de dire, mesdames et messieurs, que le troisième dimanche de chaque mois, désormais, la mission internationale VLR n'aura pas culte dans les églises locales. Nous aurons des cultes dans les familles de croissance. Nos lieux de culte seront fermés afin d'instaurer, n'est-ce pas, et de maintenir le réseau puissant, n'est-ce pas, des familles de croissance. Ce réseau puissant qui nous a permis de nous maintenir et qui jusqu'à maintenant nous permet de travailler en toute liberté malgré les manigances des escrocs de la COVID-19, malgré les manigances de tout ce que les personnes mal intentionnées sont en train de mettre en place, nous allons survivre à travers ce puissant système de réseau, de famille de croissance. Nous sommes donc en train de vous dire qu'à partir du 3 janvier, retenez qu'une décision va être appliquée désormais à partir du 3 janvier à toute notre mission. Il s'agit, je me répète, du troisième dimanche de chaque mois. Il n'y aura pas culte tous les troisièmes dimanches de chaque mois dans tous les pays, toutes les nations, toutes les provinces, tous les quartiers. Nos lieux de culte seront fermés jusqu'à nouvel ordre parce que les troisièmes dimanches de chaque mois,
tous nos chrétiens, chacun d'entre nous, nous serons en famille de croissance. Nous passerons le culte dans les familles de croissance. Cette décision nous permettra de cerner deux choses. La première chose, vérifier que tous nos chrétiens sont dans une famille de croissance et que personne ne brille par un mépris de ce système si important et si vital. La deuxième chose, cette décision nous permettra de vérifier la croissance de nos familles de croissance, l'efficacité de nos familles de croissance, la pertinence et l'efficience de nos familles de croissance. Nous informons à tout esprit rebelle et indépendant que le siège de notre mission, par la voix de son président, nous prendrons des décisions fortes pour ceux qui ne vont pas obéir à cette décision importante. Nous savons que les gens ne cherchent pas toujours à servir Dieu. Ils veulent servir une tradition, servir un protocole. Ils sont prêts à laisser mourir un système qui nous a sauvé la vie et qui nous maintient jusqu'à aujourd'hui. Pour des prestations pastorales, pour des prestations d'impressionnisme religieux. Nous disons non, nous fermons nos lieux de culte tous les troisièmes dimanches de chaque mois afin de maintenir et de garantir l'Église, parce que vous devez savoir qu'il est prévu que l'Église soit persécutée au plus haut degré dans les prophéties de la Bible. Et dans bientôt, comme vous l'avez déjà vu à cause de la pandémie, les rassemblements seront interdits. De plus en plus, notre monde va essayer d'étouffer l'Église. Le seul moyen que nous aurons pour nous en sortir, c'est de nous retrouver de manière cachée, comme des églises persécutées, comme ça s'est passé à l'Église primitive. Et donc, nous devons développer le système, n'est-ce pas, et maintenir le système de nos réseaux de famille. Et c'est pourquoi nous interpellons. Nous savons que des gens seront tentés de vouloir faire des cultes à cette période, mais nous interpellons les bureaux, le bureau extérieur, missionnaire extérieur. Nous interpellons le bureau missionnaire intérieur et nous interpellons le Detmin, le Fauve, les centres. Nous interpellons les pasteurs, les responsables d'église. Nous interpellons les bergers de familles de croissance sur la pertinence de cette orientation et de cette décision. Les troisièmes dimanches de chaque mois. Amen. Je passe à une autre orientation qui est d'une grande importance. Alors, mesdames et messieurs, à partir du 3 janvier, lundi 3 janvier 2022, notre mission rentre dans un mois de jeûne et de prière. Nous rentrons dans un mois de jeûne et de prière. À partir du 3 janvier 2022, nous rentrons dans un mois de jeûne et de prière. Vous aurez à travers les différents groupes maîtrisés, vous aurez, n'est-ce pas, les différentes variations de ce jeûne. Chaque semaine, nous allons vous donner la variation du jeûne. Parce que nous faisons des jeûnes sévères avec des différentes variations. De fois, nous pouvons jeûner la journée. De fois, nous jeûnons la journée et la nuit. De fois, nous jeûnons la nuit seulement. Donc, il y a des variations dans le jeûne de notre mission. Et donc, le Detmin va se charger, n'est-ce pas, chaque semaine, de vous communiquer le calendrier des temps de jeûne pendant ce mois de janvier. Je suis heureux et je suis content. Et je suis sûr, j'allais dire convaincu, que vous savez que le mois de janvier est notre mois de prémisse. Vous savez que le mois de janvier, nous consacrons au Seigneur, n'est-ce pas, par nos prémices, nos cœurs, nos âmes, nos esprits, n'est-ce pas, par cette offrande particulière. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont toujours été fidèles et qui voient la main de Dieu dans leur vie. Parce que je vous rassure, tout ce qui vous arrive en bien vient de ce que Dieu vous a trouvé fidèle. Amen. Hallelujah. Magnifique. Nous voulons terminer cette orientation
avant de passer à la parole de Dieu qui va nous situer par deux points importants sur la situation dans laquelle et par laquelle nos pays passent. Cette parole intervient comme étant une parole de la fin de l'année, mais aussi une parole qui nous montre avec quelle force nous allons opérer, travailler, alors que l'heure est totalement grave. Alors, nous voulons souligner, mesdames et messieurs, que nous avons uniformisé le ministère, c'est-à-dire la mission VLR. Nous avons uniformisé. Désormais, comme un peuple qui parle un seul langage, comme un peuple qui a les mêmes mots, comme un peuple qui a une seule âme, comme un peuple qui a un seul esprit, le ministère VLR, j'allais dire la mission, s'est doté, n'est-ce pas, de 5 cours de formation. Pour ceux qui ont déjà pu se connecter, n'est-ce pas, nous avons commencé la formation des délégués, la restauration et la formation des pasteurs consacrés, des diacres, et même nous avons mis cette formation en ligne. Et donc ceux qui étaient déjà connectés peuvent savoir que les 5 cours, n'est-ce pas, sont désormais disponibles. Vous êtes quelque part dans le monde. Le Detmin, le Fauve, se chargeront de toujours vous transmettre les informations, les orientations, mais aussi les ordres, n'est-ce pas, de notre mission. Yes. Et donc, dans bientôt, n'est-ce pas, vous aurez, pour ceux qui sont partis à l'intérieur du pays, ils ont commencé à voir déjà les premiers cours, parce que le 5e cours devait connaître quelques modifications. Nous devions ajouter des choses à l'intérieur. Et donc, vous qui êtes à l'extérieur, nous vous demandons de pouvoir réclamer, car c'est votre droit, n'est-ce pas, l'arrivée de vos cours. Les 5 cours qui expliquent les 5 cercles d'engagement qui sont en relation avec les 5 piliers, n'est-ce pas, les 5 objectifs de notre mission sont désormais disponibles. Vous êtes à Dakar, vous êtes au Rwanda, vous êtes en France. Vous devez réclamer, demander à qui de droit, n'est-ce pas, qu'on vous fasse parvenir, n'est-ce pas, les différents cours. Vous ne devez plus enseigner comme si ces cours n'existent pas. Ces cours désormais sont disponibles afin que tous les chrétiens de la mission VLR internationale aient la même pensée, le même langage, mais surtout unanimement qu'ils soient capables de poser les mêmes actions. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Magnifique. Mesdames et messieurs, laissez-moi prier encore avec vous quelques secondes. Je voudrais prier parce que maintenant je m'apprête à partager une parole de Dieu qui va apparaître, n'est-ce pas, sous deux éléments. Et cette parole de Dieu en réalité est une forte orientation de l'esprit qui ne vient pas seulement pour nourrir nos esprits mais aussi pour interpeller nos âmes, notre conscience, pour nous amener à devenir une mission efficiente, une mission capable d'agir et de réagir, alors que tout devient compliqué, tout devient difficile. Alors que, comme je le disais, il n'y a pas que la pandémie, il y a la guerre contre des escrocs, la guerre contre des voleurs, la guerre contre ceux qui, je ne sais pas si vous suivez, mais je crois que beaucoup d'entre vous, vous êtes des, je ne voudrais pas dire possédés, mais vous êtes des amis trop avancés des réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux remplacent même vos vies de prière. Et donc je suis sûr que vous suivez et vous voyez des images où même des gens aujourd'hui sont capables de falsifier le vaccin à une grande échelle. L'OMS a montré en Afrique du Sud et ailleurs des endroits où des sociétés secrètes ont falsifié des vaccins de la COVID contre la COVID-19 et vendent cela au grand public. Vous avez vu dans quelques images, nous avons perçu cela sur les réseaux sociaux en passant, nous avons vu des faux médecins ou pharmaciens qui maintenant mettent des morceaux, n'est-ce pas, des métaux ou encore des pointes dans des gélules.
Et ce sont des choses si graves, si graves. Nous sommes en danger de partout. Nous sommes en danger de partout. Par exemple, laquelle cette parole de Dieu va donc fixer deux choses importantes pour que nous puissions être les plus forts. Magnifique. Parce qu'il est écrit que nous ne craignons rien. Nous sommes plus que vainqueurs. Yes. Par celui qui nous a aimés le premier. Notre Bible dit que celui qui vit en nous est plus puissant, plus grand que celui qui vit dans le monde. Magnifique. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Guide-moi, Seigneur. Ouvre le cœur de celui qui m'écoute, de celle qui m'entend. Seigneur, visite-nous ensemble pour qu'il y ait une connexion d'esprit. Visite-nous ensemble pour que nous soyons capables de partager ce que tu as déposé dans mon cœur et que ces révélations deviennent une puissance, une force supplémentaire pour mon fils, pour ma fille dans le ministère, pour le pasteur qui me suit, pour le délégué, pour l'apôtre, pour l'évangéliste qui me regarde, pour l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui me regarde, pour ce jeune missionnaire, pour cette femme, cet homme, ce jeune enfant, pour toute personne qui, le cœur ouvert, s'attend à entendre Dieu. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour le Saint-Esprit maintenant, encore plus. L'Esprit qui me rend capable et qui me contrôle complètement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais partager la parole de Dieu avec vous sur le thème du vaccin de la COVID-19 à l'imposition du nombre 666. Du vaccin de la COVID-19 à l'imposition de la marque de la bête. Du vaccin, n'est-ce pas, de la pandémie du coronavirus 2019 à la marque de la bête, le 666. C'est en observant avec déplaisir. C'est avec, en étant consterné, en étant frustré, choqué, blessé, que nous avons été obligés d'entendre la voix de l'Esprit qui n'a pas cessé de nous parler sur les grandes manipulations qu'il y a en ce moment dans le monde. Je vous disais tantôt que en ce moment, le coronavirus, la pandémie est désormais une opportunité pour les malsains, les malveillants, pour des escrocs, pour des bandits, pour des assoiffés d'argent, pour des lucifériens, pour des loges, pour ceux qui sont aux commandes des pays, pour des gouvernants véreux, menteurs, manipulateurs. La COVID-19 intervient aujourd'hui comme étant une opportunité pour eux s'abattre sur les populations. Yes. Déjà fragilisées. Ils utilisent la COVID-19 maintenant pour arnaquer, pour commander, pour annuler des droits individuels de chaque citoyen, pour restreindre la liberté. Et c'est dans cette réalité que je crois avec conviction que le diable est derrière toutes ces choses. Vous vous rappelez, et je vais parler maintenant au cœur d'un croyant. Je vais parler à quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui prie, qui sait de fois se réveiller le matin et fermer ses yeux et commencer à parler à Dieu. Je veux parler à quelqu'un qui n'est pas un malfrat, quelqu'un qui n'est pas un injuste, quelqu'un qui n'est pas un mécréant, quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui n'est pas un incrédule, parce que je sais que les incrédules, même les pasteurs incrédules, je sais que même les hommes de Dieu incrédules ne sont plus sensibles à la prophétie, ne sont plus sensibles à la parole de Dieu. Mais je parle à quelqu'un qui est sensible, quelqu'un qui croit encore au Saint-Esprit,
qui croit que la Bible est toujours la parole de Dieu. Yes. Quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour comprendre les Écritures. Amen. Quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit nous guide encore. Yes. Et qu'il va nous guider jusqu'à la fin du monde. Magnifique. Quelqu'un qui croit que Jésus a déclaré, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde. Je veux parler à quelqu'un qui a encore la foi. Mm. Quelqu'un qui croit que le Saint-Esprit par le cœur des chrétiens, passe par des leaders pour interpeller l'Église. Yes. Je crois que dans ce monde, yes, il y a encore des femmes de Dieu, yes, des hommes de Dieu. Yes. Je pense que tout le monde n'est pas aveuglé. Yes. Et même quand nous serons aveuglés, je pense qu'il y a une lumière qui est encore capable d'intervenir, yes, et d'ouvrir et d'interpeller les consciences. Yes. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers chrétiens, chers croyants, chers enfants de Dieu, je pense que derrière cette pandémie, il y a un plan démoniaque. Yes. Je pense que derrière le fonctionnement des gouvernants, je pense que derrière les grandes décisions de vaccination, se cache tout un programme ficelé par le monde des ténèbres. Je pense que la manière dont la vaccination est en train d'être imposée d'une manière insidieuse prépare l'arrivée de la marque de la bête. Yes. Wow. Je ne suis pas en train de dire que la vaccination contre la COVID-19 est la marque de la bête. Yes. Je suis en train de dire que le processus qui est mis en place, je suis en train de dire que de la même manière que cette vaccination, qui normalement devait être une volonté personnelle désignée, je suis en train de dire qu'alors qu'une vaccination devrait venir de la volonté, de l'envie d'un individu, yes, dans sa liberté de choix, la manière dont cela est imposé dans les pays, la manière dont insidieusement on demande aux gens de se vacciner, sinon, ils n'ont pas accès à des lieux publics. Yes. Sinon, ils ne peuvent plus aller au travail. Yes. Je suis en train de vous dire que la manière dont la vaccination est désormais imposée aux frontières, aux aéroports et pour voyager, la manière dont vous ne pouvez plus rentrer dans les supermarchés parce que vous n'êtes pas vacciné. Mesdames et messieurs, je suis en train de dire que la situation est visible, yes, est flagrante. Yes. Il s'agit d'un processus qui se prépare. Yes. Quelque chose est en train d'arriver et cette chose-là est préparée par le processus de la vaccination. Ça, c'est la révélation. Je sais que ça va être difficile pour vous de me comprendre, mais par la grâce de Dieu, Dieu ouvre votre intelligence. Amen. Et vous pourrez, par mon insistance, comprendre de quoi il s'agit. I receive. Magnifique. Je vais me répéter. Yes. Je suis en train de dire que la vaccination contre la COVID-19 n'est pas la marque, amen, de la bête, yes, annoncée par les livres d'Apocalypse. Yes. Mais que le processus qui utilise cette vaccination est le processus que la marque va utiliser. Yes. Je suis en train de dire, mesdames et messieurs, que de la même manière dont la vaccination est en train d'être imposée dans le monde, Les conditions qui sont l'objet de ce processus, je suis en train de dire que de la même manière que vous vous faites vacciner sans votre volonté, parce que vous voulez garder votre travail, yes, parce que vous voulez voyager, yes, je suis en train de vous dire que c'est de la même manière que la marque de la bête sera imposée. Magnifique. Les nations païennes, wow, les gouvernants païens, yes, dirigés deux fois par le diable, yes, sont en train de s'entraîner, sont en train de se préparer avant l'arrivée d'un variant. Je vous informe qu'il va y avoir un variant exceptionnel. Ce variant exceptionnel va exiger à toutes les nations, maintenant, d'avoir ce que vous appelez le pass COVID comme une puce. Vous devez savoir qu'à l'heure où je vous parle, dans tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, les attestations de vaccination sont falsifiées. Yes. Je dis dans tous les pays du monde. Je confirme. J'ai eu la preuve dans une émission française, n'est-ce pas, où les ministres de la Santé reconnaissaient que les Français avait des attestations de vaccination sans avoir été vacciné. Wow. Alors, pour contourner cette pratique, dans très bientôt,
Je dis bien dans très bientôt, sous un laps de temps d'à peu près 42 jours. Yes. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je vais lire les textes tout à l'heure avec vous dans l'Apocalypse. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Une manifestation d'un variant rare va arriver. Les nations vont donc imposer maintenant. Ce ne sera plus des attestations en papier. Ils vont exiger maintenant une preuve que vous êtes vacciné par la présence d'une puce dans votre corps. Vous ne pourrez donc plus falsifier l'attestation de vaccination. Wow. Parce que maintenant, ça va être une puce. Ce variant qui va arriver va être un variant créé de toute façon. Le diable est en train de préparer l'arrivée de la marque de la bête. Vous avez constaté déjà dans le processus qu'on est en train de plus en plus de restreindre vos droits individuels, votre liberté de choix. Yes. On est en train déjà de vous dire que vous ne pouvez plus voyager n'importe comment. On est en train déjà de vous dire que vous ne pourrez plus aller dans les administrations. On est en train de vous dire que vous ne pourrez plus aller au travail. C'est en train de venir. Je vais lire avec vous le passage tout à l'heure. Les versets sont si clairs. Yes. Mesdames et messieurs, les versets sont si clairs. Magnifique. Je dis du vaccin contre la COVID à l'imposition de la marque de la bête. Wow. C'est cela mon thème. Je suis en train de dire que le vaccin poursuit un processus qui va être instauré de manière mondiale et que la marque de la bête va suivre le même processus pour s'imposer au monde entier. Magnifique. Je suis d'abord avec vous dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, et je lis le verset 18. Il est écrit dans ce passage. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête. Oui. Car c'est un nom d'homme. Et son nom est 666. Alléluia. Magnifique. Donc ici, nous avons clairement le chiffre qui est là, le nom de la bête. Et la Bible va nous montrer clairement, toujours le même chapitre, comment cela va se passer. Nous allons voir. Je vous demande je vais partager deux éléments. Yes. Et je vous demanderai d'être sensible et concentré, car ces deux éléments sont très importants. Je vais donc montrer maintenant, mesdames et messieurs, que ce chiffre-là va se manifester par le même processus que le vaccin. La marque de la bête, il ne faut pas mal me comprendre. Si vous venez de vous connecter, vous étiez en train de manger, vous étiez avec votre parent, vous êtes connecté et vous m'entendez prêcher avec beaucoup de sérieux et vous n'avez pas le droit de changer mes termes. Je n'ai pas dit que le vaccin de la COVID contre la COVID était la marque. Je suis en train de dire que le vaccin utilise un processus. Aujourd'hui, pour vous faire vacciner, bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire quoi que ce soit si vous n'êtes pas vacciné. Ce même processus qui est en train d'être inauguré va être utilisé pour l'imposition de la marque dans le monde. Ce qui signifie que le fléau du virus, du COVID, la COVID-19, est en train de précéder la marque de la bête. C'est ce que je suis en train de dire. Yes. Alors, je voudrais donc lire avec vous Apocalypse chapitre 13, depuis le premier verset, il est écrit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes et sur ses têtes, des noms de blasphème. Oui. La bête que je vis était semblable à un léopard. Yes. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Oui. Verset 3. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de lire le livre d'Apocalypse, mais yes. Je voudrais simplement attirer votre attention déjà.
Il s'agit là maintenant déjà de trois, on a là affaire à trois personnages dans ce chapitre. Yes. Dans ces personnages, on a deux bêtes et on a un dragon. Yes. Comme vous le savez, dans Apocalypse chapitre 12, le dragon est la représentation du diable. Yes. Et dans la Bible, dans ce passage que nous venons de lire, le dragon vient de donner l'autorité et la puissance à une bête. Yes. Attention, je vous demande de faire attention, regardez maintenant. On vous dit, verset 1, on vous dit, il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis, n'est-ce pas, monter de la mer. Il s'agit donc d'une bête qui vient de la mer. Et dans le livre d'Apocalypse, la mer représente les nations et les peuples. Il s'agit donc d'une puissance, il s'agit d'une force, yes, n'est-ce pas? Suivez-moi très bien. Il s'agit d'une force, il s'agit d'un agent du diable qui va venir d'où? Du monde des nations, yes, du monde des organismes internationaux. Yes. Il s'agit là de la puissance organisationnelle et politique. C'est pourquoi vous devez savoir que le processus, n'est-ce pas, qui permet aux vaccins d'être imposés aux populations, passe d'abord par les autorités de la République. Wow. Les autorités de la République sont en train de prendre des lois partout dans le monde afin de pouvoir imposer, je ne parle pas du vaccin, mais du processus par lequel le vaccin doit être administré. Wow. Et dans le livre d'Apocalypse, yes, la première bête, n'est-ce pas, est une bête politique. Elle vient de la mer, c'est-à-dire des grandes eaux, elle vient, n'est-ce pas, des nations entières. Quand nous sommes en train de lire, on se rend compte clairement que le dragon a donné l'autorité à cette bête. Yes. Vous allez voir qu'après, il va avoir une deuxième bête, yes, n'est-ce pas, qui va arriver, comme nous sommes en train de lire. Lisons. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa morsure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc on est en train de voir une grave blessure. Yes. Une grave blessure, suivez-moi très bien. Une grave blessure qui va frapper une des bêtes. Et après, cette bête va être guérie. Maintenant regardez, suivez. Les nations entières, la terre entière va être quoi? Dans l'admiration de cette bête. Guérison. Vous comprenez? Yes. La bête étant guérie, yes, les nations vont admirer. Vous ne voyez rien là? Wow. Vous ne voyez pas une guérison ça, mondiale? C'est la révélation. Vous ne voyez pas l'illusion d'une, yes, guérison mondiale? Je confirme, papa. Les yeux sont ouverts. Vous êtes avec moi? Yes, daddy. Vous êtes là avec moi et, yes, je vis l'une de ces bêtes blessées. À mort. Mais ça, vous n'entendez pas pandémie en ce moment? Yes. Vous ne voyez pas la mort qui se répand dans le monde? Yes. Et ensuite, sa blessure mortelle fut guérie. Yes. Vous n'entendez pas le vaccin en ce moment? Yes, je confirme. Wow, ça c'est Vous n'entendez pas le vaccin? Yes. Vous n'entendez pas l'idée de guérir? Yes. Attention. Maintenant, suivez. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Vous êtes avec moi? Yes. Je sais que ceux qui ont la foi, ceux qui sont encore chrétiens, je ne parle pas de ceux qui sont maintenant, qui ont perdu la foi, qui ne lisent même plus les livres de la Bible. Et même quand ils sont hommes de Dieu, ils sont maintenant en train seulement de faire des choses qu'on appelle le ministère personnel. Je parle de ceux qui sont encore chrétiens, ceux qui veulent rentrer au paradis, ceux qui croient encore aux Écritures. Vous n'entendez pas la voix de ces versets? Vous ne voyez pas le lien? Vous ne voyez pas qu'on parle d'une maladie qui frappe la terre, yes, qui est portée par une bête? Yes. Vous ne voyez pas une illusion de guérison? Vous ne voyez pas que la terre est dans l'admiration parce que la maladie a été complètement guérie? Vous êtes avec moi? Yes, daddy. Verset 4. Verset 4. Et il adorait le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ouh! Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Vous comprenez ça? Yes. Alors, je voudrais que vous fassiez attention. Je ne sais pas, certains d'entre vous, en esprit, je vois que vous n'avez même pas votre Bible ouverte. Shakatakaya. Vous n'avez même pas votre Bible ouverte et vous écoutez ces moments comme si vous aviez du mépris pour la révélation. Shukata. Alors si vous n'avez pas encore votre Bible ouverte, je vous invite à ouvrir votre Bible. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Yes. Alors ce que vous allez voir dans votre Bible, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. Alors, vous allez voir dans votre Bible, n'est-ce pas,
à partir du verset 2, vous allez voir qu'au fond, la bête va recevoir, n'est-ce pas, beaucoup d'autorité et de puissance. Yes. Maintenant, regardez bien. Quand vous êtes au verset 3, on va dire, et je vis quoi? L'une de ses têtes comme blessée à mort. N'est-ce pas? Yes. Maintenant, suivez bien. Il y a donc trois autorités dans ces passages. Il y a un, le dragon. Et on vous dit que le dragon donne de l'autorité à une bête. Ensuite, on vous dit, il y a une deuxième bête qui arrive. Parmi les deux bêtes, une va être malade. Maintenant, suivez bien. Une bête qui a reçu de l'autorité va guérir. Attention, elle a reçu son autorité du dragon. Yes. Et la première bête est une bête politique qui reçoit son autorité de qui? Du dragon. Ensuite, qui guérit une deuxième bête. Vous êtes là avec moi? Vous me suivez? Yes. Est-ce que vous me suivez? Yes. Il s'agit là de trois choses simples. Vous avez le monde politique, vous avez le monde sanitaire, l'industrie des grandes industries pharmaceutiques, ceux qui créent les vaccins, qui imposent les vaccins, qui veulent absolument qu'il y ait des nouveaux variants pour toujours produire des nouveaux vaccins. Vous êtes avec moi? Yes. Vous êtes là? Yes. Et puis ensuite, vous avez le monde qui est dans l'admiration de la guérison. Wow. Maintenant, regardez. On est en train de parler de maladie d'une bête, non? Yes. On est en train de parler de la guérison d'une bête, n'est-ce pas? Yes. Maintenant, suivez. Regardez le verset 4. Verset 4. Pourquoi on parle d'adoration? Où est le lien entre la maladie et l'adoration? Où est le lien? Pourquoi la terre va commencer à adorer? On a parlé de maladie, on a parlé de blessures. On est dans le monde sanitaire. Pourquoi on quitte du monde sanitaire et puis on rentre dans le culte? Wow. Regardez le verset 4. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Mais le dragon dans le passage là, c'est qui? C'est pas le diable? C'est le diable. Mais pourquoi on adore le diable? Parce que le diable a révélé quelque chose. Wow. À une autorité qui a donné la guérison à une bête. Wow. Ça, c'est l'onction apostolique. Attends, regardez le passage. Yes. Qui guérit la bête qui est malade? C'est l'autre bête. Yes. Mais pourquoi c'est le dragon qui reçoit la gloire? Mais parce que derrière cette blessure et derrière cette guérison, et derrière l'admiration se trouve le diable. Wow. Se trouve le diable. C'est pourquoi au verset 4, on vous dit que les hommes de la terre font quoi? Ils adorent la bête en disant le dragon. Ils adorent le dragon d'abord. Yes. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ensuite, ils adoraient la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Magnifique! Waouh! Ça, c'est la révélation. Tout le monde va se tourner vers ceux qui proposent des solutions à la pandémie. Magnifique. Tout le monde. Les chrétiens vont perdre la foi. Ils sont en train déjà même de perdre la foi. De plus en plus. Les gens vont adorer les choses, les objets, des vaccins, des produits. Tout le monde. Les gens ne vont même plus prier. Ils ne vont même plus prier. Comme ça a déjà commencé. Je suis en train de vous dire que le processus qui utilise le vaccin, la manière dont les nations s'organisent, j'ai entendu que le pass international risque de commencer au mois de juillet. Donc, la manière dont les nations s'organisent pour pouvoir imposer le vaccin, ce processus est en réalité la préparation, le processus qui va accueillir la marque de la bête. C'est-à-dire que quand on va marquer les gens de la bête, de la marque de la bête, on va utiliser le même processus qu'on utilise pour le vaccin. Wow! Magnifique. Regardez, verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois.
Pendant combien de mois? 42 mois. Donc le travail qui va s'effectuer pour que la marque de la bête soit imposée, ça va se passer pendant 42 mois. J'étais en train d'expliquer cela à quelques personnes hier. Je vais éviter cela de rentrer en profondeur puisque, s'il plaît à Dieu, je reviendrai sur quelques aspects de ce sujet important que je suis sûr que je ne pourrais pas partager aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi on parle de 42 mois, de quoi il s'agit. Vous devez savoir que la pandémie, en ce moment, se situe déjà. Elle se situe déjà sur 2 ans, déjà. Près de 1 mois et 8 jours. Yes. Ce qui signifie que, quand on parle de 42 mois, normalement, vous êtes à 3 ans et 6 mois. Yes. Et donc, à peu près, il vous reste à peu près combien? Presque 1 an et quelques mois. Yes. Pour voir quelque chose se passer. Yes. Wow. Il va y avoir un variant dans quelques temps. Il va avoir un variant dans quelques temps. Vous savez qu'on va de variant en variant, non? Yes. Je confirme. La prophétie dit clairement 42 mois. 42 mois. Et 42 mois, c'est quoi? C'est 3 ans et 6 mois. Calculez. Verset 6. Et elle ouvre. Et la pandémie a déjà 2 ans. Yes. La pandémie a déjà 2 ans et 1 mois. Et 6 jours, et 8 jours. Wow. Donc vous pouvez faire le calcul. Il reste une année et quelques mois. Allons-y. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Oui. Il fut donné de faire la guerre aux saints. Il fut donné de faire la guerre aux saints. Attends, on était en train de parler de maladie, non? Yes. On parlait d'une bête qui a été guérie. On parlait de... Hein? Yes. Mais pourquoi maintenant on attaque les saints? Aïe. Pourquoi dans la pandémie, là, les saints sont attaqués? Aïe, dis tout, papa. Révèle tout ce soir. Pourquoi les saints sont attaqués alors que c'était la blessure d'une bête? Yes. Pourquoi les saints sont attaqués? Vous devez comprendre que les deux bêtes représentent deux pouvoirs, le pouvoir sanitaire et le pouvoir politique. Maintenant, suivez-moi très bien. La bête qui guérit, l'autre bête, il s'agit du monde politique qui impose au monde sanitaire. C'est pourquoi en ce moment, vous devez comprendre ce qui se passe. C'est que plusieurs médecins, contre leur volonté, font ce que les nouvelles lois décident. Amen. Je suis en train de vous dire que même le corps médical, beaucoup de médecins et des infirmiers n'y croient pas aux pratiques qui sont en train de se faire en ce moment. Je confirme. Et surtout, à l'imposition d'un produit, n'est-ce pas, à toute la population mondiale. Allons-y. Verset 7. Et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. C'est pas ce qui se passe en ce moment. Yes, je confirme. Suivez, vous n'avez pas fait attention à quelque chose. Il lui a été donné le pouvoir de vaincre les saints. Yes. Donc il y a beaucoup de saints qui ne vont même pas voir comment la bête va arriver, la marque de la bête va arriver et la marque de la bête va arriver par le même processus. Vous savez, regardez-moi maintenant. Il vous semble être simple ou facile de voir que on vous interdit de faire désormais telle, telle et telle chose, et on vous dit, sauf si vous êtes vacciné. Quand vous vivez ça, pour vous, vous pensez qu'il n'y a rien, que ce n'est pas grave. On est en train complètement de détruire vos libertés individuelles, et on vous dit, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça, tu ne fais plus ça, et tu ne fais plus ça, si tu n'es pas vacciné. Wow. Alors nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ok, on va se faire vacciner pour toujours faire ça, 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 ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que on est en train de vous habituer à perdre vos libertés individuelles parce que lorsque la marque va arriver, vous serez déjà habitué. Yes. Wow. Comme ça s'est passé pour le vaccin. Ça, c'est la révélation. Comme ça s'est passé pour le vaccin, Prêche, vous serez un habitué, quelqu'un qui est habitué à perdre ses libertés individuelles. Wow. Vous serez habitué. Vous savez qu'on nous a demandé, même quelque part, dans un pays, du moins à quelque chose qui ressemble à un pays, où on a dit que pour aller prier,
Il fallait avoir un test PCR. Je confirme. N'est-ce pas, non? Je reconfirme. Mais c'est ce qui va se passer avec le nouveau variant. Yeah. J'espère que vous avez compté. Je vous ai dit que la pandémie qui a commencé en 2019 est en ce moment à 2 ans, 1 an et 8 jours. Je vous dis que la prophétie d'Apocalypse dit 42 mois. Donc vous pouvez calculer pour savoir quand est-ce bientôt le variant qui va exiger à ce que le pass qui est maintenant populaire soit annulé, afin que le pass imposé dans la parapuce, n'est-ce pas, arrive. Je vous demande de compter les jours. Yes. Si vous n'avez pas fait attention, vous allez vous rendre compte que le monde dans lequel on vit présente chaque nouveau variant comme étant plus dangereux que le précédent. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Je confirme. Mesdames et messieurs, chers pasteurs, chers chrétiens, vous n'avez pas remarqué que chaque nouveau variant est plus dangereux? Yes. Ils sont en train d'amener le monde vers le variant des variants qui, lui, maintenant, va imposer le passe même pour prier. Même pour prier. Wow. Magnifique. Et la prophétie dit, dans 42 mois, dans 42 mois, dans bientôt, il va avoir un variant et le monde entier va reconfiner. Complètement reconfiner. Vous savez qu'en ce moment, on est en train de parler de la 4e dose, de la 5e dose. Donc, ils vont se rendre compte que, bon, finalement, le nouveau variant qui va arriver va annuler tout ce qui a été fait. Et ils vont rentrer dans un autre processus avec une autre vaccination qui maintenant, elle, passera par une puce. Wow. Et les choses vont commencer. Magnifique. Yeah. Allons-y. Verset suivant. Verset 8. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ça veut dire que si votre nom n'a pas été écrit dans le livre de la vie éternelle, que vous le vouliez ou pas, vous allez recevoir la marque par le processus qui est déjà mis en place là. Yes, yes. Suivez-moi maintenant, yes, suivez-moi. Je voudrais interpeller, oh Seigneur. Shukata. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà vaccinés. Maintenant, suivez-moi. Je vais vous montrer combien de fois on est en train de vous préparer psychologiquement pour recevoir bientôt la marque. En étant vacciné, comment vous vous sentez? Par exemple, dans le cas de notre pays, le Gabon, si tu es vacciné, tu peux maintenant circuler la nuit. Yes. Quelque chose que j'estime d'être d'une aberration incroyable parce qu'en réalité, ça catégorise les citoyens d'un seul pays. Certains citoyens ne peuvent plus circuler, liberté individuelle, et d'autres citoyens peuvent circuler pour un même pays avec une même constitution. Un même pays, une même zone géographique, disant avoir les mêmes libertés, certains peuvent aller au restaurant, d'autres n'ont pas le droit. Certains peuvent circuler la nuit, d'autres ne peuvent pas circuler. C'est wow. Juste tout. Ok. Je voudrais vous interpeller, vous demander, vous qui avez déjà été vacciné dans le contexte de notre pays, par exemple le Gabon, regardez, comment vous vous sentez? Vous n'avez pas l'impression que vous êtes libre? Yes. Que vous pouvez vaquer à vos occupations, circuler pendant que les autres sont enfermés? Alors, c'est ce qu'on appelle vous préparer. C'est-à-dire, lorsque la marque va arriver par le même processus, on va vous dire, tu vois, de la même manière que tu étais libre là, si tu acceptes encore, tu pourras encore être libre. Comme tu étais libre au départ lors du vaccin. Non, regardez les versets qui vont suivre, ils vont vous montrer cela. Regardez. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Oui. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ainsi la persévérance et la foi des saints. Yes! Regardez, je vais vous montrer. Allons-y. Verset 11. Puis? Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Voici la deuxième bête, oui. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Yes. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Oui. Et elle séduisait les habitants de la terre
par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît de tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Donc les gens vont être tués parce qu'ils ne vont pas adorer l'image de la bête. Se soumettre. Yes. N'est-ce pas? Yes. Alors regardons, allons-y. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ils ont reçu quoi? Une marque sur leur main droite ou sur leur front. Oui, et que? Et que personne ne put acheter. Et que? Personne ne put acheter. Oui. Ni vendre. Oui. Sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre. Ou le nom de son nom. Vous avez reconnu le processus là? Yes, yes, yes. Vous avez yes. reconnu le processus? Je confirme. Et ça s'appliquait à qui? Aux pauvres? Yes. Aux riches? Aux libres? Aux libres? Aux esclaves? Aux esclaves. Il s'agit d'un processus qui va conditionner tout le monde. Yes. C'est la même chose. Yes. Donc quand vous entendez des lois qui sont votées, où on vous dit, vous n'avez plus accès. Yes. Aux administrations, vous n'avez plus accès. On est en train de préparer le processus. Vous savez, non, je ne suis pas en train de dire que les gouvernants sont conscients puisqu'ils sont manipulés par le dragon. Yes, je confirme. Ils ne sont pas conscients. Ils sont, le fait seulement d'être des mécréants, le fait de ne pas être des enfants de Dieu, ils sont donc sous le contrôle du dragon. Ils sont en train de mettre en place tout le système de l'arrivée de la bête et de sa marque. Et donc, quand vous avez déjà reçu le vaccin, vous avez donc un papier qui vous permet de circuler librement et vous vous sentez vraiment libre. Alors, c'est cette même proposition qu'on va vous faire lorsque la marque va arriver. Yes. Le verset dit qu'au fond, vous ne pourrez plus rien acheter, vous ne pourrez plus rien vendre, vous ne pourrez plus faire aucun commerce. Et on va vous dire, tu vois comme ça s'est passé avec le vaccin. Tu as vu comment ça s'est passé? Tous ceux qui vont prendre la marque pourront circuler librement. Pourront vaquer à leurs opposants. Et je vous rassure, la Bible dit, ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie prendront la marque, même s'ils sont pasteurs. Même s'ils sont chrétiens. Même s'ils sont hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ils auront tellement envie de circuler. Ils auront tellement envie de vaquer à leurs occupations. Comme ça s'est passé pour le vaccin. Ils auront tellement envie de... Vous savez, j'ai observé... Et je me suis rendu compte que dans le cas, par exemple, des pays africains, les personnes affairistes sont les premiers à se soumettre à l'imposition du vaccin. Je confirme. Les affairistes sont les premiers parce qu'ils ont des affaires qui doivent marcher, yes. parce qu'ils ont des commerces, yes. parce qu'ils ont des activités. Et donc, yes. la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont rapidement. Je ne suis pas en train de parler du vaccin qui a un problème, je suis en train de parler du processus. Jamais dans ce monde, je dis bien jamais dans notre ère, on a imposé les gens par des pratiques insidieuses d'aller se faire vacciner. Jamais. Et en ce moment, c'est le cas. Vous êtes avec moi? Yes. Personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et le nombre de son nom... Vous l'avez au verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Dans le cas de notre pays, le Gabon, à l'heure où je vous parle, dans 30 minutes, plus de la moitié de la population n'aura plus le droit de circuler. Je confirme. Dans le cas de notre pays, le Gabon. Suivez-moi maintenant. Et dans plusieurs autres pays, cela, c'est le cas. Seuls ceux qui ont accepté le vaccin et qui ont une preuve pourront circuler en montrant cette preuve. Wow. Le verset que nous sommes en train de lire nous montre que la marque de la bête va être imposée de la même manière. Ce qui signifie qu'à l'heure où je vous parle, dans le monde entier, on est en train de préparer un processus où tous les hommes
seront imposés. Et quiconque ne voudra pas l'accepter ne pourra plus manger, ne pourra plus travailler et ne pourra plus rien faire. Chers pasteurs, chers chrétiens, l'heure est grave. C'est le moment de renforcer sa foi et de devenir surtout un croyant capable de mourir pour ses convictions. Amen. Parce que bientôt la marque, elle est là à la porte. Le processus est déjà en train d'être placé. Tout est en train d'être désigné. Le diable est à la porte. C'est à cause de cela que je m'en vais rapidement vous proposer ce que le Seigneur met dans notre cœur, n'est-ce pas? Et le premier élément, c'est échappons au pacte du diable par une grande résolution. Échappons. Je vous invite à échapper au plan du diable parce que le processus de la marque est en train d'être disposé. Nous pouvons échapper à cela. Mais pour cela, il nous faut accepter en tant qu'église, sur le plan mondial, il nous faut accepter, n'est-ce pas, de rentrer dans notre résolution, une puissante résolution qui va nous garder de devenir des esclaves de ce processus du diable. Suivez-moi très bien. Maintenant là, je m'adresse à notre mission d'une manière claire. Je voudrais vous dire que nous devons maintenant être un seul cœur, une seule âme. Nous ne pourrons nous en sortir devant cette grande situation que si nous parlons un même langage, si nous avons les mêmes gestes, si nous avons les mêmes pensées. L'heure de vivre une vie individuelle est terminée. L'heure de regarder à ses intérêts individuels est terminée. C'est le moment où la parole de Dieu qui disait que le peuple de Dieu au début de l'église, dans Actes chapitre 4, n'était qu'une seule âme, un seul esprit. La Bible montre qu'ils avaient tout en commun et une grande grâce reposait sur eux. C'est le moment où notre mission, nos églises, nos missionnaires, nos pasteurs, c'est le moment où chacun doit être au diapason de ce qui est fait. Yes. C'est le moment où tout le monde doit entendre la voix de l'Esprit. Yes. C'est le moment où nous devons aller dans la même direction. Et pour cela, je voudrais vous présenter une résolution, l'esprit de la résolution trouvée dans la Bible. Je suis dans Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10. Je suis conscient que je m'adresse à nos leaders qui sont à l'extérieur du pays, aux premiers leaders et à leur bureau. Je suis conscient que je m'adresse aux responsables de centre et à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Je voudrais lire avec vous Néhémie chapitre 10 afin de dégager dans un premier temps déjà la puissance de la résolution. Je voudrais vous montrer comment Néhémie a combattu tous les ennemis, n'est-ce pas, qui étaient autour d'eux. Il était en train de bâtir la maison de Dieu. Il bâtissait la grande Jérusalem. Yes. Il bâtissait le peuple de Dieu. Yes. Il rebâtissait le culte. Yes. Il bâtissait l'endroit où les saints se trouvaient en paix, yes, protégés et garantis. Mais il y avait des oppositions. Il y avait des personnes qui étaient une représentation du diable, des attaques, de la bête, de l'adversité. Et Néhémie nous montre que la résolution a été leur moyen fort de sortir de cette grande crise. Je voudrais appeler à l'unité totale. Je voudrais appeler à la symbiose. Je voudrais appeler à l'unité parfaite. Je voudrais appeler tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, tous les chrétiens du ministère VLR qui ont tendance à ne pas suivre l'ordre, l'orientation, qui ont tendance à ne pas s'impliquer, à ne pas mettre leur épée dans le carnage, comme annonce la parole de Dieu. Je voudrais appeler à tous ceux qui, alors que nous sommes debout, restent assis, alors que nous sommes éveillés, s'endorment, alors que nous nous impliquons, ne s'impliquent pas. Je voudrais vous inviter, vous appeler à l'unité parfaite. Alors regardons Néhémie, chapitre 10. Chapitre 10, c'est mon premier élément après ma forte interpellation et après avoir prouvé que les mêmes conditions de la vaccination de la COVID-19
vont être semblables et imposés à l'imposition de la marque et à son chiffre, je voudrais nous montrer que seuls les actes de résolution, être un seul cœur et un seul peuple, pourront nous aider à vaincre la bête et à vaincre sa marque. Néhémie 10, il est écrit. Verset 32. À partir du verset 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Je veux que vous répétiez ce passage lentement pour que tout le monde entende. Yes. Que lorsque l'église devient puissante, l'église va s'imposer des ordonnances. Yes. Allons-y. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeait à donner un tiers de sicle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Donc, lorsqu'on parle de résolution, on va faire comme à l'église catholique. Yes. Voyez-vous, je vais vous donner une révélation. Vous devez savoir que l'église catholique ne sera pas soumise à toutes les manigances et aux pratiques qui vont frapper le monde par rapport à la marque de la bête, ce processus qui est déjà établi par rapport à la vaccination, l'église catholique sera épargnée. Car elle est une église qui fonctionne par des résolutions, par des grands conseils, et les grands conseils de l'église catholique s'imposent. Rien ne renverse les conciles. Rien ne renverse les décisions des églises catholiques. La plupart de nos ministères, de nos églises vont être renversés. Beaucoup de nos chrétiens qui sont individuels, et qui fonctionnent avec des esprits indépendants, vont faire défaut, contrairement au grand système de l'Église catholique qui en réalité fonctionne par des résolutions. C'est pourquoi le passage que nous sommes en train de lire, du livre de Néhémie, qui montre qu'une des choses que Néhémie a utilisées, c'est la résolution en imposant des ordonnances. Yes. Néhémie va montrer qu'en réalité, il a rebâti la Jérusalem par un esprit unanime, par le fait que tout le peuple était capable d'accepter une ordonnance officielle et que tout ce peuple-là se l'imposait, regardez bien, chaque année. Yes. Chaque année pour le service de l'œuvre de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Je suis content de lire ces passages. Magnifique. Je suis content de lire que le peuple de Dieu est capable de s'imposer quelque Amen. Chose. Amen. Je suis content de savoir que les pasteurs peuvent s'asseoir et imposer quelque chose. Amen. Je suis content de savoir que notre mission peut s'imposer quelque chose. Amen. Et que celui qui n'est pas content peut se retirer parce que nous allons nous imposer des choses. Amen. Chakapasoto Sheberebas. Lisez, faites la lecture. Yeah. Verset 33. Pour les peines de proposition, l'offrande perpétuelle pour l'holocauste perpétuel des nouvelles lunes et des fêtes pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, yes, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Donc là, nous venons de lire tous ceux qui se sont imposés. Yes. Ils ont imposé les fêtes, ils ont imposé les camps. Yes. Ils ont imposé les consultations. Yes. Ils ont imposé la Sainte-Seine. Yes. Ils ont imposé les procédures. Yes. Nous sommes imposés ça chaque année. Yes. Chaque année. Magnifique. Notre mission, par ma voix, je déclare en tant que président que nous allons vaincre la bête et son nombre et son nom. Yes. Par des impositions d'ordonnances. Yes. Mesdames et messieurs, chers missionnaires et pasteurs, yes, je suis en train de vous dire que notre mission ne va pas se soumettre à toutes les lois iniques qui vont être votées dans ce monde. Lorsqu'on demandera à tous les hommes de se soumettre à la bête ou à des pratiques bizarres, une ordonnance sera donnée par notre mission. Et nous garderons la foi, et même si cette foi nous coûtera la mort. Magnifique. La Pachaka, passe koto luso koto libes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons briller par des résolutions. Nous allons briller par des résolutions. Continuez.
à lire. Regardons combien de fois notre mission va opérer par des révolutions. Yeah. Vous savez, le deuxième élément que je vais présenter, peut-être pas aujourd'hui, peut-être un autre jour, dans quelques heures certainement, si le temps me fait défaut, ce sont des résolutions. Si vous n'êtes pas dans les résolutions, vous n'êtes plus dans notre mission. Yes. Verset 34, il est écrit. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu. Yes, ça fait partie des résolutions. Yes. Il y a un point qui montre comment on va apporter des tonnes de ciment, de briques, chaque année. Yes. Comme ils font là, c'est comme ça. Il y a déjà un point comme ça que nous avons prévu, qui va bientôt sortir, où nous allons montrer comment chaque église va mettre de côté des tonnes de ciment, de bois et toutes ces choses pour nos églises dans le monde. C'est prévu. Yeah, nous passons comme ça. Yeah, ce sont des résolutions par ordonnance. Yes, yes. Oui. Selon nos maisons paternelles à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Verset 36. Nous résolûmes. Oui. D'apporter chaque année à la maison de l'Éternel. Répétez. D'apporter chaque année à la maison de l'Éternel. Nous avons résolu d'apporter quoi chaque année? Les prémices de notre sol. Nous avons quoi? Résolu quoi? D'apporter quoi? Chaque année à la maison de l'Éternel. C'est une volonté personnelle ou bien c'est une résolution? C'est une résolution. Ça dépend de vous ou bien c'est une résolution? C'est une résolution. Je suis en train de vous montrer comment nous n'allons pas nous plier à la bête. Yes. Nous n'allons pas nous plier à la bête et à son processus. Yes. Nous avons décidé que les résolutions vont être notre pilier fort. Amen. Pour nous maintenir, même quand tout le monde aura fléchi les genoux, notre mission restera debout par la force de ces résolutions. Soukata. Yes. Magnifique. Ça va être expliqué au fur et à mesure, on va vous expliquer comment ça fonctionne. On va vous expliquer comment ça fonctionne. La puissance de nos résolutions. Yes. La puissance de nos résolutions. Lokabashe katarabasaka. Oui, nous avons résolu d'amener chaque année à la maison de Dieu, quoi? Les prémices de notre sol. Oui. Et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. Oui. Et d'amener à la maison de notre Dieu, oui, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail. Oui. Comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et nos brebis. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes. Des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile. Et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Magnifique. Oui. Verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les potiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. C'est comme ça que nous avons résolu quoi? De ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Donc pour ne pas abandonner les choses de Dieu, il faut des fortes résolutions. Yes.
qui implique tout le monde. Yes. Que tout le monde suit comme des soldats. Yes. À travers les résolutions, nous maintenons la maison de Dieu forte. Yes. À travers les résolutions, résolutions de fête, résolutions de cérémonie, résolutions yes. de conférence, résolutions de dîme, résolutions de prémices, résolutions de radar, résolutions, des résolutions nous permettent de maintenir la maison de Dieu puissante et forte. Magnifique Shukata. La première chose que je suis donc venu annoncer, c'est que peu importe les manigances, yes. peu importe le processus, yes. peu importe le moyen par lequel le diable va passer, yes. que ce soit par les vaccinations, yes. les coronavirus, yes. les pandémies, yes. que ce soit par des lois iniques, yes. que ce soit par les gouvernants des nations, yes. que ce soit à travers je ne sais pas quoi, notre mission est en train de prendre des résolutions fortes. Magnifique. Et à travers ces résolutions, nous n'allons pas fléchir les genoux. Yes. Peu importe ce que ça va nous coûter. Nous savons que parmi nous, il va avoir des faiblards, il va avoir des esprits indépendants, il va avoir des Judas. Nous sommes conscients qu'il va avoir ceux qui, les déloyaux qui vont nous abandonner. Mais nous sommes sûrs d'une chose, le plus grand nombre est de notre côté et nous allons nous maintenir par des résolutions et par des ordonnances. Magnifique. Kabaché, kabaré, l'écoso, kapatarabas. Ah, oui, alors, qu'est-ce que nous entendons par résolution? Nous sommes en train de dire qu'une décision officielle, chaque fois, va être annoncée. Et dès que cette décision officielle sort, chaque membre, je dis bien chaque membre, dans nos villages, nos quartiers, nos villes, nos provinces, dans nos pays, chaque chrétien de notre mission sera invité à une obéissance exceptionnelle, à appliquer cette décision, peu importe ce que cela va lui coûter. Yes, wow. Je vais répéter. Qu'est-ce que nous entendons par résolution de la mission? Il s'agit des décisions fortes que nous sommes en train de prendre, des décisions qui ont déjà été prises, qui vont apparaître bientôt dans les différents arrêtés de notre consultation. Ces décisions sont devons être l'objet d'une obéissance absolue de toutes nos autorités, à savoir les délégués, les vice-présidents, les pasteurs consacrés, les anciens, les diacres et tous les membres de notre mission. Ces résolutions ne seront pas l'objet d'une conversation ou d'une discussion. Ce sont des résolutions, des arrêtés de notre mission. Ça se fera comme ça. C'est comme ça que ça se fera et nous le ferons comme ça. Amen. Comme Néhémie a fait avec le peuple de Dieu. Yes. Ces résolutions vont toucher notre donnée, nos cérémonies, nos rencontres, nos temps de prière et toutes ces choses. Ces résolutions nous maintiendront attachés à Dieu et attachés à son œuvre. Même quand ces résolutions seront contre des lois iniques votées dans ce monde, nous resterons attachés à nos résolutions et à la parole de Dieu. Si vous m'entendez, à l'endroit où vous êtes quelque part dans le monde, même si nous ne nous voyons pas, mais nous pouvons dans l'esprit nous entendre. Amen. Je veux vous entendre dire amen à cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Magnifique. Kabasha kapata sokoto. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que Satan va envoyer au milieu de nous des personnes qui vont essayer de remettre en cause nos résolutions. À des échelles différentes, mais à travers la force du Saint-Esprit, à travers la force du Saint-Esprit et l'onction que nous avons reçue à la tête de ce ministère, toutes nos résolutions auront victoire sur nos ennemis. Je vous informe donc que la quasi-majorité de nos arrêtés sont des résolutions. Les documents que vous allez voir apparaître numériques dans vos téléphones portables et dans tous les groupes, comme je viens de vous précéder cela en annonçant quelques résolutions, sont en réalité des ordonnances, des choses que nous avons arrêtées dans notre mission et qui sont imposées à chacun d'entre nous. Je voudrais vous interpeller sur les prémices pour l'année, n'est-ce pas, 2022, à savoir le mois prochain, le mois de janvier. À la fin du mois de janvier, comme nous venons de lire dans ce passage, de Néhémie, les prémices sont une résolution de notre mission dite Amen. Amen. Yes. Ces prémices ne sont pas facultatives. Yes. Ces prémices sont une résolution.
une décision officielle arrêtée et imposée à notre mission. Yes. Je vous informe que nous sommes dans la même, dans le même temps, dans l'année sacrificielle. Yes. Nous avons arrêté une année du jubilé et une année sacrificielle. Et nous sommes, à l'heure où je vous parle, en train de rentrer dans l'année sacrificielle. Nous allons donc opérer avec les prémices au mois de janvier. Et ensuite, nous allons opérer avec l'année sacrificielle pour le reste des mois. Wow. Je suis sûr et convaincu que vous avez compris qu'il y a eu une autre résolution qui s'appelle Rada. Rada. Magnifique. Il y a une autre résolution qui s'appelle Rada et qui a commencé à intervenir, à travailler puissamment puisque ces choses sont révélées par Dieu. Maintenant, dans très bientôt, quelques heures seulement, dans quelques jours, vous serez convoqué à un entretien, à une autre rencontre où je vais introduire maintenant une des plus grandes résolutions de notre ministère. Cette nouvelle résolution s'appelle le grand dépouillement des nations. Waouh, magnifique. Je vais maintenant apprendre à notre mission comment nous allons prendre l'argent des païens pour mettre cela au service des églises. On appelle cela le grand dépouillement des nations. Ce principe très puissant a été utilisé dans plusieurs livres de la Bible. Et le Seigneur vient de nous révéler comment prendre aux païens, aux non-chrétiens, les fonds et les moyens qui appartiennent au Seigneur afin de mettre cela au service de la mission mondiale. Oui, je viens de vous annoncer une nouvelle chose. Wow. Je viens de vous annoncer quelque chose qui va être une grande force, une grande puissance pour notre ministère. Bientôt, tout ce qui a été pris quelque part, tout ce qui a été caché quelque part, bientôt toutes ces richesses rentreront dans l'église de Jésus-Christ à travers cette grande révélation. Vous serez donc informés dans quelques temps seulement. Il va avoir un partage ou des preuves ou des versets ou des passages ou des arguments bibliques vont vous être exposés d'une manière synthétique, d'une manière systématique où vous allez avoir toute la connaissance sur comment arracher aux nations les richesses et les amener dans la maison de Dieu. Cette opération s'appelle le grand dépouillement des nations. Le grand dépouillement des nations. Le Gadal Nassal. Le Gadal Nassal est une pratique hébreu qui permet aux juifs de prendre à toutes les nations du monde les richesses et ramener cela au peuple de Dieu. Nous allons donc dans très bientôt faire rentrer cette grande pratique, vous n'aurez rien à dépenser comme argent et vous verrez comment l'argent des non-croyants viendront dans l'église afin de bâtir le règne de Dieu. Ce grand dépouillement de nations va marcher avec des grands projets que nous sommes en train de mettre en place, que nous avons annoncés il y a quelques années et qui sont maintenant sur le point de voir le jour. Il s'agit du commencement de notre hôpital. Nous allons récupérer maintenant les intelligences afin de les mettre au service de l'Église. Du commencement de nos écoles supérieures, en récupérant les bacs des jeunes pour qui faire d'eux des professeurs pour que nous ayons notre éducation personnelle. Amen. Vous devez comprendre que la bête et sa marque vont passer par le monde sanitaire et par le monde éducatif. Nous allons donc récupérer ces deux secteurs afin que le Seigneur nous donne la sagesse d'opérer en toute liberté et que nous n'ayons pas besoin de nous soigner auprès des non-croyants, n'est-ce pas, qui peuvent nous injecter le chiffre de la marque ou le nombre de la marque insidieusement. C'est pourquoi dans l'objectif de mettre en place nos grands projets, je vais donc initier la mission entière dans le grand dépouillement des nations. Sur plusieurs livres de la Bible. Je dis bien plusieurs livres de la Bible afin de montrer
où Dieu prend les ressources afin d'enrichir les églises. Yeah. Les puissants ministères, comme nos papas Dag et Wad Mills, David Oyedepo, yes, ont déjà exploré cette grande pratique et qui font le secret de leurs ressources. Nous, la mission VLR internationale, nous allons rentrer dans le même bain et nous allons plonger dans le grand dépouillement des nations. Yeah. Alléluia. Amen. Voici donc ce que je suis venu annoncer par cette communication. Je suis venu vous annoncer que à travers le vaccin contre la COVID-19 se prépare l'imposition de la marque de la bête. Et que ce que vous voyez en ce moment, les conditions qui sont imposées sont en réalité un moyen de nous préparer psychologiquement à recevoir la marque de la bête. Mais gloire soit rendue à Dieu. Magnifique. Le Seigneur trouve des moyens. Le premier, yeah, moyen, c'est un peuple résolu. Yes. Un peuple qui marche par des ordonnances fortes. Un peuple que personne ne peut arrêter. Un peuple qui marche comme un seul cœur, une seule âme. Un peuple où personne n'est abandonné sur le chemin. À travers les résolutions, nous allons être les plus forts au-delà des circonstances. Et la deuxième chose, je m'apprête à vous l'annoncer dans quelques temps. Il s'agit du grand dépouillement des nations. Maintenant, il est temps pour nos églises d'avoir nos unités sanitaires. Il est temps pour nos églises, nous-mêmes, d'avoir nos systèmes de formation et d'éducation de nos enfants, afin que nous ne soyons pas esclaves de qui que ce soit. C'est pourquoi, pour cela, nous allons donc introduire le grand dépouillement qui est un système puissant de ressources de Dieu pris du monde pour amener dans l'Église. Voici les deux éléments que je voulais annoncer, tout en sachant que le deuxième élément va être l'objet de toute une explication afin que chacun de nos chrétiens s'approprie cette capacité et que maintenant nous puissions assister au retour de l'argent de Dieu, yeah, dans la maison de Dieu. Amen. Je voudrais prier avec vous. Je voudrais passer quelques temps de prière avec votre téléphone portable, votre tablette, à l'endroit où vous êtes. Je voudrais que vous puissiez prier. Prier pour notre mission. Prier pour le mandat que nous avons reçu de la part de Dieu. Prier pour que le Saint-Esprit nous oriente, qu'il nous rende sages, qu'il nous montre le chemin. Prier pour que l'onction qui nous permet de voir et de discerner, de saisir la voix de Dieu, d'entendre la voix de Dieu nous parler, soit notre partage. Allez, commençons à prier maintenant. Commençons à prier. Robo Shabala Kataraba. La Kasa Katata Patoto. Commence à prier à l'endroit où tu es. Ne regarde plus seulement le direct, mais mets-toi à prier en même temps. Mets-toi à prier, que tu sois en Haïti, que tu sois en France. Peu importe, que tu sois dans un village, commence à prier. Rokocha, Rebozokotosho, que Dieu nous influence, que Dieu nous utilise, que Dieu nous parle. Rekocho, Rebebebe Zeketebo, prie pour les résolutions. Les Kapataro, que nous devenons un peuple nombreux, un peuple puissant, un peuple résolu. Les Koshebelebe, Labasakata, Loko, qu'il n'y ait pas d'esprit indépendant. Qu'il n'y ait pas de rebelle au milieu de nous. Reko, Louchebele, Keteriba, Shakataba, Keribose, prie. Mese, Koko, Koko, Tolo, prie pour le grand dépouillement des nations. Vele, Kete, Vele, Ketelo, Vele, Keto, Shakapa, prie pour que la révélation soit abondante. Le Koto, Sokoto, Koto, à l'endroit où tu es, prie, ma soeur, ma fille, mon fils, prie, pasteur. Ne regarde pas seulement, mets-toi à prier, prie. Prie pour que nous soyons orientés. Prie pour les révélations de la mission. Prie pour que le Saint-Esprit nous parle. Meko shabarabara katoro mazetolo sheberebo besiketere baba sakata baba. D'une manière claire, tu nous parles. D'une manière claire, tu nous orientes. D'une manière claire, rekokokokosheka kekakakasheka lokoto. Prie. Meko robo siberebo mande robo sokota sakata. La consocata, prie, continue à prier. Lete,
prie pour que nous ne soyons pas une mission stérile, mais une mission remplie de révélation et d'autorité. Loco, pour que nous soyons capables de nous étendre dans le monde, dans les provinces, les pays, les nations, les villages, les coins et recoins. Élève ta voix, continue à prier par la foi, par la Dieu de notre mission. Parle, les cochons, qu'il y ait des miracles, des guérisons, les cochons, les piles et les peaux, pour que les missionnaires partent facilement dans le monde. Prie pour le zèle, prie pour la détermination, prie pour le zèle de chaque croyant, chaque pasteur, chaque bureau, chaque famille de croissance. Ma cache que te soto loto. Libézé, libézé bolé, zibele bele bele golo, makata reboche. Continue à prier, continue à prier. Rekata, loko shika palaba. Masete reboto koto. Rekerebo shakarabaya. Nesekete rebo. Le grand dépouillement des peuples, le grand dépouillement des nations, le grand dépouillement de nations, les katakata, matasakata, masokotolo chebe, la prospérité du règne, la prospérité du règne, la prospérité du règne, la prospérité de l'église, l'auto-coché. L'auto-coché-ka, la kasoka paloto, l'ousekete, repala-pala-pa, l'osuka-palate, l'ebeze-kinde, l'ouchakataba, la sotolo, mettez-le-te, les résolutions. Les résolutions, le peuple entier, les femmes, les hommes, les jeunes, les enfants, les cochas, les caletos. Makata shabarabos, tuko sokoto she, leka shokarabato sepa, lolo kondereba, rakata shabaraba, dederekete reba, loka pareto, lapata kato, like sekete ribosh, materibobo sokota, lebo sokoto. Shabaraba rakata seka le kosheke tarabo makata sabara miracle le dede zedere reboche tu travailles tu amplifies, tu nous parles, tu nous montres le chemin, tu nous montres la victoire, tu nous précèdes, ton feu nous précède, ta lumière nous précède. Lokoko kakaloka, lokoko kakaloka, les katabarebo, ceux qui sont tombés sont relevés. Tu nous purifies, tu nous restaures, tu nous fortifies, tu nous rends capables. Les keteso, la kasakata sheborobo, tu opères, mandere. Mandele, les temps de jeûne et de prière. Mandele, les temps de jeûne et de prière. Mandele, le 365. Mandele, les baptêmes. Les kosokotolebo. Libé, les prémices. Le rata. L'ukabacha. L'année sacrificielle. Les koshibarabababa. Le 7 sur 7. L'ukokokokokosheba. Les bosés, le Makarios, Makarebo, Chekete, Rebebebebebe, Louchakabala, la consécration, les Keteche, les familles de croissance, Misedele Lolo, Midelezele Lolo, Louchakabala. Ô Seigneur, nos offrandes, pour faire avancer le règne, les veillées de prière, le séminaire de baptême, Liketero totolo shiketoroko. Libese kotorobo. L'agrandissement des églises, la croissance miraculeuse. Les fukata. La puissance de Dieu. La puissance de guérison.
L'onction de la guérison, l'écho, libéseko, l'onction de la guérison, le koshabaraba, chokorobo, chokarabaye, beseko, torobo, chabaraba, l'écho, soukabaraba, merebo, masakatata, makasakatata, makasakoto, chebara. Mezafakata. Mezafakata. Rakato korobo shukata. Jésus. Jésus. Mandoroboche. Reboshukata. Arabaya manta. Rakata yabase. Rakata yabande. Au Père. Rekoto roboche. Mandorobosha. Continue à travailler. Inspire-nous. Mezafakata. Parle-nous. Rends-nous puissants. Rends l'église puissante. Rends-nous puissants. Puissants en action. Puissants en prière. Puissants par des miracles. Puissants par le nombre. Rends-nous puissants. Rends-nous puissants par le donner. Rakaba Shabaraba. Rebo Sokoto Shibaraba. Jésus, les beaux autos, les résolutions, les envoie le réveil. Envoie-nous un réveil spécial. Envoie-nous un réveil spécial. Les cachets Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, chers pasteurs, pour cette fin d'année, je vous souhaite déjà mes vœux les meilleurs. Merci. Je vous souhaite d'être fidèles et loyaux. Yes. Je vous souhaite d'être dans l'action des résolutions, d'être obéissant, d'aimer Jésus jusqu'au bout. Je vous souhaite une longue vie. Je vous souhaite de vaincre la bête et son nombre, le 666. Yes. Je vous souhaite de ne pas vous habituer au processus qui est établi en ce moment pour le vaccin. Même si vous vous êtes fait vacciner, ne vous habituez pas à ce processus, car c'est à travers ce processus, n'est-ce pas, que le chiffre ou le nombre va être imposé. Je vous souhaite d'être vigilant. Je vous souhaite d'avoir des convictions non discutables. Je vous souhaite d'être guéri à l'endroit où vous êtes, si vous êtes malade, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite d'être zélé, d'être pertinent, efficient. Je vous souhaite d'être intelligent de l'intelligence divine. Je vous souhaite d'être fort, d'être fortifié par la toute-puissance du Seigneur. Je vous souhaite d'être très, 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 très loyal. Que vous soyez une personne loyale, fondée sur la parole de Dieu, attachée aux recommandations et au Père. Je vous souhaite d'être un lecteur acharné de la parole de Dieu et des livres inspirés, tels que le Macarios. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite d'être sensible aux orientations que nous sommes en train de donner. Et d'être partie prenante des grandes résolutions de notre mission. Et lorsque nous allons dévoiler la révélation sur le grand dépouillement des nations, je vous souhaite d'être impliqué corps, âme et esprit, pour que Dieu vous utilise puissamment dans cette grande révélation que nous sommes sur le point, n'est-ce pas, de déployer dans notre mission internationale. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Que sa faveur vous accompagne. I receive. Que la main de Dieu vous préserve de toute chute. I receive. Que cette année qui s'annonce soit une belle et précieuse année. Amen. Au-delà de l'adversité, Dieu vous donne la victoire. Yes.
Que votre victoire brille comme le soleil en Amen. Plein jour. Amen. Que Dieu vous maintienne debout. Yes. Qu'aucune force, aucun ange, yes. aucune puissance, rien, aucune profondeur ne vous arrache de l'amour de Dieu manifesté Chukata. En Jésus-Christ. Je vous donne, je proclame sur vous que vous faites des progrès avec Dieu. Amen. Je proclame que vous réalisez une grande chose pour Dieu. Amen. Je proclame que Dieu vous donne suffisamment de vie, de force et d'énergie afin de voir la plupart des projets de Dieu se réaliser pendant que vous êtes vivant. Je proclame que Dieu ne vous retire pas la vie tant qu'il n'a pas accompli avec vous son plus grand projet. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'éloigne de vous la pandémie, le virus. J'éloigne de vous des maladies mortelles. Je yes. détruis et je menace la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que vous êtes victorieux. Je proclame que vous êtes prospère. Je proclame que vous êtes fort. Je proclame que vous êtes enrichi. Amen. Je proclame que vous êtes capable. Amen. Je vous baptise de foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je menace les accidents et yes. les incidents dans votre vie. Je proclame que Satan ne peut pas vous affaiblir. Mais vous êtes fortifié par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez mon esprit. Recevez la grâce d'avancer. Recevez la grâce de parvenir. Recevez la grâce d'entendre et de voir Dieu. Recevez la grâce d'être enraciné. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Magnifique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes rentrés dans nos résolutions. Yes. Et plus il y aura des résolutions, plus nous serons forts. Yes. Et donc très bientôt, nous allons dévoiler le grand dépouillement des nations. Yes. Un moyen par lequel nous deviendrons encore 7 fois plus forts. Shukata. Au nom de Jésus-Christ, amen. Et à très bientôt. Amen. Magnifique. Cela se passe à une époque où Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa cette nuit dans la prière. Puis quand vint le jour, il appela ses disciples, Pierre, André, Jacques, Philippe, Jean, Thomas, Matthieu, Jacques, remboursera le bien par le mal. L'un d'entre vous sera un ingrat. Don't let it be you. Plusieurs disciples, après le discours de Jésus, se sont dites entre eux-mêmes que ces paroles sont dures à comprendre. Ils murmurèrent contre ces paroles, se retirèrent de Jésus et n'allèrent plus avec lui. Vous aurez des traîtres et même des hommes infidèles qui vous laisseront en chemin afin de briser. Sera un traître. One of you will repent my love with hatred. L'un d'entre vous remboursera le bien par le mal. L'un d'entre vous sera un ingrat. Don't let it be you. Ne marche plus avec des gens menteurs, traîtres et voleurs.
Ils te combattront, mais ne te vaincront jamais. Certains diront qu'ils t'aimaient au fond d'eux-mêmes. Ils feront semblant, car ils te livreront un jour. L'un d'entre vous sera un traître. Remboursera le bien par le mal. L'un d'entre vous sera un ingrat. Don't let it be you. Don't let it be. Don't let it be. Vous aurez des traîtres et même des hommes infidèles qui vous laisseront en chemin afin de briser vos cœurs. L'un d'entre vous sera un traître. One of you will repent my love with hatred. L'un d'entre vous remboursera le bien par le mal. Sera le bien par le mal. L'un d'entre vous sera.